Départ. On va tout là-haut. Là on a 1006 là. Le pic il est exactement à 2000. Ouais, le vu là-haut. Ce qui est ouf c'est qu'ils font ça. Quel acteur! Et il y a un chemin là sinon. Du 13, ah oui. Bah c'est ça qui fait. Le jeu c'est bon, t'es calé. 1, 2. Et allez hop, on va tout en bas. Ça va s'annoncer très très escalade. Pas très rando, voilà, plus escalade là. Je dois être très prudent, surtout avec le matériel. Compliqué là. On se prend un pain à ta gauche. Il y a des traces après le pain là-bas. Tout là, là, le petit chemin. Tout là, ah, le long. Ah, mais une arche, regarde. Là, en face de nous. Ah ouais. Le chemin qui passe là. Eh ouais. Je crois qu'on va faire ça à toutes les crêpes finalement. Oh, le pain. Ah, mon sac. Aide-moi. Ça descend fort. Le but va être de descendre le névé qui se trouve derrière nous. Avec une couverture de survie et nos sacs à dos de 20 kg. Oh là là, ça m'a démonté. C'était pas une super idée. On est enfin arrivé au camp. Hop, on va l'installer derrière moi. Il est presque 21h, on a marché beaucoup, beaucoup. 8h, il me semble. Et regardez derrière moi. Un superbe terrain, bien plat. On va pouvoir mettre la tente dans l'herbe et les bousses de vache. Il fait très très froid. Il fait à peu près 5 degrés là.
Alors Julien, t'as bien dormi? Non. Non. C'était dur. C'était compliqué, ouais. Je vois un peu ton infusion de pain. Ouais, tu peux prendre. Allez, douche un peu. Ça sent. T'aurais pu en prendre plus. Bah ouais, mais hier j'en avais fait la moitié et on va en cuire là. Vous aimeriez que c'est qu'on allait. Allez, hop. Départ du spot. Et on va voir comment ça s'appelle. La tour Isabelle et la tour percée. Let's go. Bon alors là on est un peu perdu. La quête du Graal. On a perdu le chemin. Je vois où elle est là. Où elle est là. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de chemin. Voilà. Que ça, fait-on? Ça x10 depuis ce matin. Et x100 hier. Depuis hier, c'est ça, voilà. Merci le guide des forêts hein, d'avoir tracé ces jolis chemins. Et d'avoir marqué les arbres comme ceci. Julien est en pleine forme. Parle aux arbres. Et voilà, on vient de tout là-bas, on voit pas, mais. Allez, plein nord. On avance. C'est compliqué là. Ça glisse bien là, non? On va passer par là et on va changer de vallée de l'autre côté. La contrée, Frodon. Petite pause déj là, ça s'impose. Ah ouais. Ma. C'est très joli. Théophilisé trois fromages. C'est des produits ultra transformés. Si tu veux faire du. Regardez, il mange du jambon. Il mange du jambon. On a soif. C'est très pittoresque. Ce beau vert là, on change de couleur. On est là et il faut passer. Là il y a des cordes, des câbles et ça part en via ferrata en dessous. Mais regardez-moi ce relief. C'est chaud Kiki. C'est chaud. Avec le sac, deux jours de marche dans la gueule. C'est pas facile facile. Et en plus, c'est humide. C'est humide. C'est tout humide. Voilà, là, le pas de la mort. Et là, ça continue. Avec des petites chaînes. Chaîne de vie. Oh là 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 là, on n'est pas arrivé encore. Donc là, on était tout en haut. Là, on essaie de descendre pour rejoindre cette vallée. Et le problème, c'est que c'est vraiment vertigineux et que la carte nous dit de passer ici, là. Je sais pas trop où après, mais bref. En tout cas, il faut descendre, aller voir les cascades en dessous. Pour remonter, mais bon voilà, et c'est pas gagné gagné. Oh. Allez, quasiment fini. Allez, boum.
très très bucolique. Oh là là. Donc là on va arriver aux sources du Guervif. On sait pas du tout à quoi ça ressemble. On va découvrir ça ensemble. Impressionnant. Donc là c'est la source du Guervif. Donc on voit pas trop, mais c'est impressionnant. Et l'eau sort dessous là. Vu qu'on était là à l'instant, on voit bien cet énorme trou qui monte jusqu'en haut avec ce trou géant. Hop là. Impressionnant. On va planter le camp ici, dans ces jolis arbres, avec une petite rivière en bas. Pas trop mal, pas trop mal, pas trop mal. On a trouvé un terrain plat, c'était pas gagné. Moi je vais mettre ma tente ici, là-bas. Non, ça va, on est pas trop mal. Alors petite patte. Quel altruisme. Petite patte ici. Mais elles sont en train de bouillir, c'est mignon. Ben oui, avec le petit feu de camp sur la gauche. Et du coup, si je on voit pas trop. Au-dessus, est-ce que ça déborde? Mais bon voilà, on attend que ça bouge tranquillement. Ça pisse mon gars en fait. Laisse-moi croire. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, écoute, ça qu'est-ce que pas. Tu fais? C'est ça, il y en a partout, il y en a partout. Je me sens trop là. Non mais c'est quoi ce truc, on dirait un réacteur d'avion. Non mais là tu m'ouvres en fait plus. Mais gros, ça a fondu ton piezo. Là, son machin, il est en fusion. Mais du en fusion. Non, mais n'importe quoi. Todo mas. Todo mas. Todo mas. Voilà. Oh, Julien ramasse ses pattes. Filme pas ça, Bims. Je sais pas si c'est la meilleure idée du monde de voir. Oh non. Non, il fallait pas. Oh là là. Je m'en fous, ah, je filme. Ils sont tombés. Oh non. Il y a plein. C'est aromatisé au moins. Non. No shit. Shit. Le feu est bien allumé dessous. Moi j'hésite à les faire recuire. En relancer. Ah, tu devrais en remettre gros si t'en restes. Bah oui, il en reste. T'es pas pressé. Un petit peu. Ah, t'as un peu faim. Ouais, je m'en fous. Franchement, manger 4 herbes. Bon, 4 herbes. Ah, ça va plus quand même. Mec, je suis un sauvage moi. Très bonne nuit dans la tente. Avec les concitoyens Cyril et Julien. Attends, on va filmer un peu. On filme un peu le Mimou. Rangement du camp. On voit un petit peu la trace, est très léger. Ici tout se déroule à merveille. Dans ce décor paradisiaque. Saint-Pierre d'Entremont. Très pittoresque. Pleine recherche de l'itinéraire.
Regarde. Tac, là c'est la gauche, c'est ça. Gauche, pas gauche. Pas emballé, hein. Non. Pas emballé, bon c'est pas ça que tu voulais. Ah. Peut-être qu'elle a pas envie. J'espère que c'est un carton de les gars, j'ai pas vu. Allez, chin chin les gars. Allez, lâche entre nous. Wow, qu'est-ce que c'est bon. La frise, les bulles de Grenoble. Avec un petit fromage. Non mais avec un coup de... Après la petite pause repas, on a posé les sacs ici. 1, 2, 3. Et Julien a un petit peu mal au genou. Du coup on va le laisser là et nous, on va rejoindre la voiture qui est très très loin derrière la montagne. Et du coup on n'a pas de sac, donc on va pouvoir courir vite. Allez, vite, vite, vite. Rejoindre la voiture, venir chercher Julien et fin de l'histoire. Fin de la chartreuse. Allez. Chapitre final. La gourde. L'appareil photo. Allez, c'est parti. Oh. Voilà, fin du tour. On est garé en bas. Et le premier jour, on est monté tout en haut. Et là, ben on est complètement mort. La voiture. Bon, comme vous voyez, il en manque un. Julien, où es-tu? Donc là, il faut retourner là où on était ce matin. Pour aller chercher Julien. Parce qu'il s'est blessé. Et après, finito avec la chartreuse. Exactement. Bon, c'était très cool, mais là, il va falloir un peu de repos. Les jambes... Je l'ai pas senti, là, j'ai pas senti dessus. Tellement mal. Oh. Retrouvaille de Julien. Qu'est-ce que t'as fait, Julien, du coup, pendant qu'on t'attendait? La sieste. La sieste. Et maintenant, retour à la golf avec le scénic.